Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce nouveau jour. Voilà, on est tranquille, on est lundi. Donc lundi, travail, voilà. On a commencé par un petit lever de soleil. Bah voilà, comme je vous avais dit hier, c'est l'avantage du truc. Bah non, en fait, pas pour le lever de soleil, parce que finalement, il est plutôt... il caille beaucoup plus. Parce qu'en gros, il est 7h du mat quand on va faire le coucher de soleil, au lieu de 8h. Bah, de toute façon, vous allez me dire, il caille pareil à 8h. C'est pas ce qui change. Voilà. Bon, le seul inconvénient, c'est que le soleil a tourné. Et donc, il est derrière les arbres maintenant. Donc, il va falloir que j'aille un peu plus loin pour pouvoir avoir le vrai lever de soleil. Voilà. Donc, ce matin, quoi de prévu? Je finis mon mini. Ça, c'est obligatoire, on va dire. Faut absolument que je finisse parce que dans ma liste qui est là, il me reste quoi à faire? Il me reste les 2 minutes nature automne. Je pense qu'elles seront dimanche prochain. De toute façon, j'ai pas mal d'images avec la brume et tout ça. La vidéo des ATC reçue, donc normalement, qui est le 31. Donc alors, le 31, ça va être compliqué. Donc c'est demain. Ouais, bah pour vous, aujourd'hui. On est bien le 30, ouais. En fait, il y a tellement de choses à faire que je pense que ça sera 2 vlogs différents. Même voire 3 vlogs différents qui seront... éparpillés, je sais même plus le mot. Ils seront échelonnés sur plusieurs jours. Donc voilà, donc je disais 2 minutes de nature, vidéo ATC, ATC vintage. Finalement, je crois que j'ai fait assez d'ATC bah, pour le mois d'octobre. Donc ça partira sur le mois de novembre. Les recettes Halloween, ça va être aujourd'hui. Donc voilà. Et après, dans ces deuxièmes studios, voilà. Et j'ai même pas mon mini. Ah si, album automne, il est là. Je vais me dire, en plus je l'ai peut-être dit. CDM Studio, je pense que ça le fait aussi. Mais après, nickel. Pour octobre. Et je pensais pas, hein, franchement, au début, pendant... Il y a eu un moment où je me dis, putain, je vais pas... désolé pour le gros mot. Je vais pas le remplir, le truc. Je vais pas réussir à tout faire. Mais je vais et j'ai réussi. Bah j'ai réussi, j'ai pas encore fini. Ouais, recette sûrement cet après-midi. On va essayer des sablés. Alors sablés sucrés et salés. Et en fait on va essayer de faire des petits squelettes ou des petits trucs. Mais bon, ce sera des recettes intégrées je pense au vlog. Hein. De toute façon maintenant il est trop tard pour faire des vidéos recettes. Ouais, c'est comme la vidéo, je vous avais dit au début de mois que je vous ferai une vidéo spéciale sur les citrouilles que j'ai faites en papier mâché. Mais finalement, le temps passe tellement vite que que j'ai pas eu le temps. J'ai les fichiers, j'ai tout, mais bon, maintenant c'est un peu tard. Hein, vous allez me dire, pour vous, vous êtes le 31. Halloween, c'est ce soir pour vous, donc voilà. Donc c'est trop tard, on est d'accord. Vous en avez vu en plus quand même pas mal dans les vlogs. Voilà, bon bah. Le mini, c'est parti pour le mini, c'est parti mon kiki. Et j'avais autre chose aussi à faire. Non, mon mini, allez. Yes, yes et yes. Il est 10h23, quand même. Quand même, mais... Alors j'ai fait... je suis parti trop loin, voilà. J'ai fait à l'origine mon truc, et en fait, comme je vous ai dit... est-ce que je l'ai dit? Ouais. Que j'allais faire toutes les pages, si je crois que je l'ai dit. Que j'allais faire toutes les pages et que j'allais faire les embellissements après. Donc j'ai fait
voilà, la structure, tout, donc j'ai fait même le côté, et avec les embellissements, bah, ça ressemble, c'est plus trop droit, c'est plus trop droit, c'est pas grave. C'est pas grave, il est beau, ma femme elle l'aime, elle a dit il est super beau. Alors j'ai fait un, parce que c'est Jean-Philippe qui m'a marqué, qui m'a marqué, ouais, montre-nous comment tu... J'ai juste collé, hein. Je me suis pas pris la tête. Je vous montre une page. Ah, il faut que j'enlève absolument tous les fils, parce que la fin, bah, les embellissements... c'est collé au pistolet à colle. Allez, je vous montre cette double page. Tampon C2M, pochoir C2M, badge C2M, et après papier et petite étiquette. Donc en fait, j'ai les papiers, hein, comme je vous ai dit, j'ai pris du. Donc la collection Tundering, mais au niveau des petites étiquettes, j'ai utilisé celle du de Hippie Chic, de la collection Hippie Chic de chez Swear Cards, parce que je trouvais que ça donnait mieux. Les autres, c'est vraiment bébé, hein, je vous l'ai dit la dernière fois, donc c'est les trucs c'est une fille, les trucs comme ça, donc oui, on sait que c'est une fille, mais c'est les couleurs n'allaient pas du tout avec. Et donc le Hippie Chic, vu qu'il est bois, un peu indien, bah il allait bien. Voilà, je vous ferai une présentation. Ouais, je pense, si vous voulez, je ne sais pas. Par contre, j'ai pas filmé, hein, je vous préviens tout de suite, je n'ai pas filmé. Si vous voulez faire ce mini, il faut m'appeler en crop. Franchement, je sais même pas. Voilà, sinon, en fait... Pourquoi il est 10h30? Pourquoi? Parce que hier il y avait sur M6, il y avait un reportage sur Disney, donc je me suis posé 20 minutes devant, parce que les enfants à peine levés, parce que hier en fait ils ont commencé à le regarder. Et il était quasiment 10h, on leur a dit d'aller se coucher, et je leur ai dit vous le regarderez demain matin. Non, vous le regarderez en replay demain, et finalement ils se sont levés à 8h, genre à 8h30, 9h moins le quart, il y avait déjà le truc replay, voilà. Donc en fait, moi j'ai vu que la fin, mais ça donne envie. Bientôt, très très bientôt. Mickey, vous savez pourquoi je dis moi, je suis content? Parce que je me dis que, vu que je commence, même ma femme elle m'a dit, elle s'est foutue de moi, exactement. Elle m'a fait ouais, j'aime pas les mini, en se foutant de moi, voilà. Et elle me dit bah tu vois, tu commences à apprécier ça. Je fais ouais, ça va. Bon, elle est encore pas top, hein. J'arrive pas à faire du top, ça m'énerve. En fait, arrive un moment, je pars toujours en cacahuète. Genre par exemple, ces pages là qui dépassent, alors que c'est la même taille que les autres. Tout est de même taille, j'ai pris toutes les mêmes mesures, mais j'arrive à avoir des pages qui dépassent là, avec le magnifique cristal de chez Swordcard. Ouais, je sais, je vais arrêter de dire Swordcard. Normalement, j'ai aussi, alors ouais, il faut que je fasse une présentation de page aussi, justement avec ce magnifique cristal qui est juste ici. Qu'il faut que je fasse, bah, le montage est fait, mais j'ai juste pas fait la présentation. Et c'était ça que j'avais dit, j'avais pensé ce matin, que j'avais dit ouais, j'ai encore un truc à faire. En fait, il faut que je reprenne en photo tous mes badges, parce qu'en fait j'ai le focus qui s'est pas mis bien. Donc en gros, toutes les photos de tous mes badges n'est pas top. Donc je vais faire ça déjà pour commencer, parce que en plus je parle longtemps. Et il faut absolument que je les mette aujourd'hui sur mon site pour que le 1er novembre, vous les ayez. Et il faut que je prenne en photo aussi les nouveaux pochoirs. Ouais. Et, parce que je suis un mec relou, mais bon, par contre, voilà. C'est qu'en fait, j'ai refait un nouveau lot de mots, mais en fait, il sera... En fait, je suis juste en train de le débuter. Oh, les fils, ça m'énerve. C'est celui-ci.
Voilà. En mode vraiment, mais bon, il y a de la colle, les fils qui m'énervent. Faut que je repasse tous les trucs pour que j'enlève tous les fils. Voilà. Donc en fait, un nouveau lot de mots qui va apparaître, je pense, bientôt, très bientôt. Ou pas. Bah, quand je dis très bientôt, c'est sûrement à la fin du mois ou le 15, vu qu'avant je faisais beaucoup ça. Je mettais au début du mois et le 15 je remettais parce que j'étais très productif au niveau truc. Vous avez peut-être entendu crier Raphaël, il est malade. Voilà, allez, j'arrête de parler pour le moment. Je bosse sur tout ce que j'ai à faire. On se retrouve pour deux, trois choses. Deux, trois choses. La première, c'est que la brioche était tellement bonne qu'elle a fait quasiment qu'un seul repas. Alors oui, elle a perdu son tressage, mais bon, elle était, mais c'était notre première, seule, ouais, voilà, on n'a pas le four adéquat. Deuxième, c'est que j'ai reçu deux nouvelles cartes, une de Natacha et une de Zouli Chaud, Zouli Papier. Donc voilà, donc merci les filles. Merci les filles. Troisième chose, ouais, j'ai les doigts dans un état. Parce qu'en fait, je viens de faire un papier pour en fait. Je sais pas si vous avez remarqué dans mes vidéos créa en ce moment, c'est très blanc. C'est très propre, on est d'accord. C'est pas parce que j'ai changé de plan de travail, c'est qu'en fait j'utilise des grandes feuilles et je les pose pour pouvoir avoir un plan propre. Et en fait, je le salis et arrive un moment, je vais le découper et je l'utilise pour mes petites cartes que j'envoie avec mes commandes, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait ça. Vous avez peut-être pu le voir dans les petits timelapses. Et troisième chose, donc j'étais en train de dire, c'est que non, non, on fait toujours le pain maison. Par contre, bah, on le réussit de mieux en mieux. Il est trop moelleux, trop bon. On le gère de plus en plus. Donc voilà. Je suis en train de finir la manger. Escalope à la crème. Voilà. On n'a pas parlé déguisement. Ouais, regardez. Ça, c'est du déguisement. Voilà. Déchirage. Déchirage. Faux sang. Ouais, c'est ça. On est en mode cette année, on est mo en mode tous en mode zombie. Donc en gros, je viens de customiser parce qu'en fait, je viens de le faire tout de suite. Hein, je viens de customiser. Tout est là. Eh ouais, en mode. On s'est dit cette année, on fait pas d'achat pour Noël. Pas pour Noël, pour Halloween. C'est-à-dire que en gros, on a pris que des vieux vêtements qu'on met plus. J'en ai qui est passé à l'intérieur du sang. Et en gros, bon, demain avec le maquillage, ça sera mieux. Voilà comment faire un déguisement en 30 secondes. Ça c'est moi. Ça c'est Corinne. Ça c'est les enfants.
Bon, je vous avais dit cuisine cet après-midi. Alors, ma femme vient de partir acheter... En fait, il nous manque juste un truc pour demain, c'est une citrouille. On n'a pas voulu la prendre trop tôt pour éviter qu'elle pourrisse. Vu que je vais la tailler, voilà. Donc, elle est partie chercher une ou deux citrouilles, on va voir ce qu'elle trouve. Et moi, je vais faire une pâte sablée. En fait, on va tester en plus. Donc, je vous avais dit qu'on ferait de la... En fait, on va faire des sablés sucrés et des sablés salés. Alors, les sablés salés, à mon avis, c'est un gros test. Je ne sais pas si ça existe. J'ai regardé vite fait. En gros, c'est une pâte, entre guillemets, brisée. Mais bon, nous, on va tester. Donc là, je vais la faire pendant que ma femme est partie. Comme ça, quand elle arrive... Hop. Ouais, je prends tout en fait. Comme ça, quand elle arrive, elle aura juste à, on aura juste à faire les sablés, les emporte-pièces et tout ça. Je vais tester de faire du glaçage. Ah ouais, franchement, c'est pour demain. Pour vous, c'est aujourd'hui, mais demain, c'est Halloween. Et en fait, on teste les trucs au dernier moment. Bah ouais, c'est comme ça que ça marche. Il faut de la pression. Donc, c'est parti. Hop. Pour la pâte salée, je vais prendre donc 150 g de farine, 75 g de beurre et un œuf. Je vais lui mettre du cheddar râpé. Ça fera peut-être un goût en plus. Et c'est reparti. Si j'y arrive. Ta-da ! La bonne, ça. Allez, tous avec moi. Une black coco. Une black coco. Non, mais moi, ça sort pas sûr que moi, ça sort. Une black coco. Vas-y, ça sort. Ça comme ça. Ouais. Non, il est chié. Je m'y attendais. Petite astuce de Romain. C'est les tutos de Romain. Ouais, je sors. Regardez, ce magnifique... Attendez, il y a ma femme, elle essaie de me tuer, je crois. Donc, ce magnifique emporte-pièce en forme de bonhomme des neiges. Et là, je viens de le modifier pour Halloween. C'est-à-dire, regardez, je vais vous le faire en face comme ça. Il y a juste à faire emporte-pièce, tac... On enlève le surplus, le couteau, on coupe juste le bonnet. Regardez, tac. On fait, je vais juste le déplacer un petit peu. On fait les dents, tac, tac. On prend un petit emporte-pièce en forme d'étoile. Et voilà, des petites têtes de mort qui va bien. Bienvenue dans les tutos de Romain. Volume 2. Alors, je vais vous montrer comment faire une citrouille juste avec deux emporte-pièces. Alors, vous prenez un emporte-pièce rond, vous le pliez, vous l'appuyez comme ça, regardez, hop, tac. Ça vous fait un petit ovale. Vous prenez un deuxième emporte-pièce rond, plus petit, vous pliez. On va prendre celui-ci. Donc là, vous avez juste à faire, tac. Tac. Regardez. Petite citrouille. Après, vous prenez un petit bout de pâte. Vous faites la petite queue. Tac, tac, tac. Qui va arriver là. Bien. Et voilà. Une petite citrouille en pâte sablée salée. Ma femme veut me tuer. Ouais, un jour ça va arriver. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la pâtisserie, j'ai fait de la salerie. Alors,
ma petite tête de mort. Elles sont les autres. Parce que c'est pas la mieux que celle-ci. Ah, mais regarde dans la boîte derrière. Hein? J'ai tout mangé. Mmh. Bah, commence par les manger. Déjà que t'as peur qu'il n'y en ait pas assez pour tout le monde. Pas grave. Allez manger chez le voisin. Ils mangeront des bonbons, les gamins. Oui, de toute façon, oui. Donc voilà, on a fait des petites têtes de mort, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec les tutos de Romain. Finalement, on a rajouté du gruyère dessus. Les petites citrouilles ressemblent à ça. Plutôt simple, mais... Bon, je ferme ça, parce que sinon demain, il n'y en aura plus. Mmh. Oui, ben, je goûterai demain. Celles-ci sont super bonnes. Et on finit avec... Désolé, je parle la bouche pleine comme d'habitude. Les petits squelettes faites avec l'emporte-pièce... Oui, je sais, je suis... Vas-y, flambe. Vas-y. Emporte-pièce... pas d'épices. Plus de coco, coco, une blague, coco, une blague. Pouet. Du camion. Ouais, bon allez. Bon allez, on va arrêter là. Ouais, franchement, vous avez vu cette magnifique luminosité. Il est 5h. 40. 40, il fait déjà quasiment nuit. J'ai une coupe de cheveux qui ressemble à rien. Vive l'hiver. Allez, j'arrête là. Je vous dis donc à demain. Demain, ça sera. Demain, ça sera quoi? ATC? Ouverture d'ATC. Oui, tu me regardes, c'est parce qu'en fait. Si je fais le vlog comme. Ah bah, t'es pas couché. En gros, quand moi je me lève pour travailler, tu te couches, toi. Donc, ça sert. Et c'est surtout qu'il va durer 3 heures. Aussi. Donc voilà, donc demain ouverture d'ATC, après-demain la journée de demain. Ouais, ça va être décalé, mais bon, je peux pas faire autrement. De toute façon, si. Je travaille le 1er novembre. Donc voilà, à travailler le 1er novembre, donc voilà. Ouais. Moi aussi, je vais travailler le 1er novembre normalement. Ouais, mais c'est pas les mêmes contraintes. Bah, je mets mes nouveautés. Ouais, oui, une charge. Allez, j'arrête, je vous dis à demain pour les ATC et après-demain pour ma journée de demain et je vous dis donc à demain. Salut. Si tout va bien. Tchou.